Ouais, ce que je m'étais dit. Alors attends. Bonjour la VOD. On va essayer de Ok. faire. On va essayer de faire. Un boss. À savoir la Est-ce mère que araignée. t'as. T'as des flèches épicées ou un truc comme ça? Ah bah non, bien sûr que non. Il est fou, lui. J'en ai 12. Attends, j'en ai combien? Ah, j'en ai 23. Tu veux que je tanque et que moi tu tires ou tu veux tirer et moi je Non, je tanque? t'en lâche un peu. Bah, je sais pas, on sait pas comment ça se passait. J'en ai lâché. Tu les as prises? Ouais, C'est bon? normalement c'est bon. Tu restes appuyé. Quand t'as une arc équipée, tu restes appuyé sur R. Ah, mais attends. Tu peux tirer les flèches à plumes? Oui, je pense que oui. Oh, les vieilles. Ah, mais j'avais pas vu le nombre de punaises qu'elle a buté. Le nombre de bestioles. Ouais. C'est quoi l'araignée tout en haut? On dirait pas une orbitelle. Si? Bah, il y en a plusieurs Si, après. si, il y a le cul rouge. Le cul rouge? Ah, c'est crade ici. Ah bah Jaune. ouais. Bon. On le Je tente? pense. Ouais, je sais. Alors c'était où? Il y avait un emplacement? Ouais, ça. Ah oui, ok. Elle arrive au mid. Ouais. Oh Oh putain! punaise. Je l'ai scanné. Ah oui, GG. Oh! Non! Oh la vie! Oh, c'est quoi cette araignée? Tailladé épicé. Oh, je suis trop chaud. Oh, j'ai. Oh, Ça je va, me on fais peut la mal. faire. Reste à distance, toi. Ah, ok. Et tire en épicé. Let's go. Y a pas de point faible, hein? Au pire, t'as le temps de Ouais, on regarder, moi marque, pas j'avoue. trop. Oh non, le poison de ouf qu'elle m'a mis, parce que j'ai pris un coup. Oh Et petit dernier. non, 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 non. Ah, oh, c'est la. Ok, je prends mon shield. Non, elle m'a remis un coup. Elle m'empoisonne. Oh, c'est tellement la merde. Si tu meurs, je pourrais 13. Oh, je me suis remis un soin. Comme les bandages, ça me remonte. Oh la vache, j'avoue. Elle t'enchaîne. Dis, dis, t'as soin. Ok, je m'en mets un bandage. Je prends de la bouffe que tu m'as donnée. Pff, ça remonte. J'arrive. Oh, C'est le le coup. dot! Le dot m'a tué, je suis désolée. Merci! J'ai profité de l'animation. À te taper. Ouais, GG. Je vais me prendre à bouffer. C'est bon. Hop, arc, let's go. En fait, t'es obligé de parer, de faire une parade parfaite sur son triple coup, sinon elle te consomme tout ton shield. On n'a pas un shield assez fort. Il va y avoir les petites, non? T'as bien équipé tes flèches épicées avec Ouais. R? Oh, je l'ai parade parfaitement tournée. On n'aime pas les araignées, non. Moi, je les ai toutes mises, Oh, hein. c'est des petites maintenant, la bu! Oh non! C'est les pires! Attends, j'ai fait l'arc aussi. J'ai plus d'énergie. Oh, elle What the fuck? me fait un Qu'est-ce que c'était souffle! que ça? Moi aussi? D'où elle a des pouvoirs là? Yes! Attends, Troisième je tue coup. une petite. Oh là Ça va là, le m'engêne un peu. blocage! Oh, je fais plus de dégâts. Je vais t'aider. Non, elle m'a mis un poison, j'ai foiré. Oh, deux fois! Oh, Ok. c'est trop dur. Attends, faut que j'enchaîne sur les petites avec mes. Je vais die. Ok, je fais un blocage parfait quand elle m'a sauté dessus. Je me re-soigne là un petit coup. Oh merde. Je tire un peu à distance, je consomme mes flèches. Tiens le coup, Lox. Ouais, je me Tu t'en régène sors sur là elle. avec les blocages? En fait, je me régène sur elle. J'ai pris mon truc de Ok. régène. Bon, c'est pas ouf, hein, mais. Je vais faire pareil, je crois. Bah, ça, plus la régène du soin, ça aide un peu. Ah, fais gaffe, elle se retourne. Ah, elle s'est Je vais enchaîner un retournée. peu aussi.
Ok, s'il y a des ads, j'essaierai de m'occuper des ads en priorité. Vu que t'as l'aggro. Et là, je gratterai un max de dégâts avec l'arbalète. Ouh là, j'ai pris cher. C'est petite encore, fais gaffe. Essaye de prendre ta petite. Attends, je prends de la bouffe. Elle va me faire tomber. Je cours, je prends de la bouffe. Vite. Elle pas mis en raccourci. Ok. J'ai spam mes bandages, j'en avais 15, j'en ai plus que 5. Ah putain! Juste pour le petit heal, tu sais. Oh, c'est les petits jaunes qui me font trop chier. Vas-y, je cours, j'en ai marre. Ah, oh, c'est putain. Oh là là! Oh non, non, non! Elle saute sur toi, oh, fais gaffe. Sur moi! Je vais t'aider, on va faire les. Voilà. C'est bon. Hop, les autres encore. Oh non! Oh, non. Elle m'a empoisonné, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai bloqué. Je pense que je vais tomber. Ok. Je spam bandage au cas où, c'est plus simple que je tombe pas, mais. Ok. J'ai réussi à bloquer. Je m'en mets en bandage. C'est bon, je t'assis ah, sur la petite, mais elle prend. C'est la grosse qui prend. Ouais. Mais c'est pas grave. Bon, on est pas trop mal. J'ai plus qu'un bandage. J'ai soigné 14. J'en ai plus, moi. Je vais essayer de tanker un peu. Ok, ok. Oh non! C'est quoi ça, une abeille? Quoi? Ok, je me remets un bandage. Elle est contre l'araignée? Oh non, elle est contre l'araignée, je crois. Elle a sonné. Attends, attends, je la touche pas. Non, elle est contre moi, non? Je sais pas. Ah non, non, attends, elles sont l'une contre l'autre. Tu pourras peut-être me raise. Pendant une animation, ouais. Parce que je suis tombé. Ouais, ouais, je profite, je profite. Allez, elles se battent ensemble, elles se battent ensemble. Vas-y, vas-y. Ouais, incroyable, c'est rigolo ça. C'est voulu parce qu'elle peut pas apparaître, hein. Ouais, c'est impossible non. Qu'elle vienne ici par. Ok, j'ai de l'abeille. C'est une petite tête quoi. Ah, oh, elle tanque un peu et tout. Ouais, t'es mis en bandage? Mets-en 2-3 s'il faut. Ah oui, vite. Je sais pas si t'as mis un raccourci. Si, si, j'ai mis un raccourci. Ok, elle vient sur moi, je vais pouvoir bloquer, j'ai un peu de vie. Ouais, c'est le bar, ouais, je le tente là. Ça bloque, ça bloque. Oh là là, deux parfaits sur le. C'est quoi ce 5 coups? C'est nouveau! C'est bon, il presque. On l'a fini! À l'arbalète! Ah non, non, j'ai plus de vie! Oh, elle allait me frapper, c'était la fin. Je suis empoisonné! Je vais mourir, hein, je pense. Ah non, c'est bon, c'était la fin du temps. Oh, j'ai. Influence maternelle! Ouais! First try! C'est bien ça! Ils ont fait un. Putain, trop cool! C'est sympa, j'ai envie qu'il y en ait d'autres des comme ça. Hein. C'est trop bien! Franchement, on n'aurait pas fait du staff épicé. Je pense qu'on a. Parce que j'ai vu que ça lui faisait quand même des. On lui a enlevé des barres directes de vie dès le début, tu sais. Ouais, non, on l'a mis mid-life assez tôt. Et après, bah, il a fallu. On aurait fait moitié moins de dégâts, laisse tomber, ça aurait été tellement dur. Ouais, ouais. Waouh. Crocs extrêmement létal de la mère araignée démoniaque. Crocs extrêmement létal. Ouais. Attends, je vais voir s'il y a un truc qui s'est ouvert, mais je pense pas. Non, je pense que tu peux en réinvoquer une, à mon avis. Ah, ouais, tout à fait. Ah, peut-être qu'à un moment ça pourrait être intéressant de farmer des trucs, genre les crocs. Je sais pas. Elle est pas si. Ouais, après elle consomme. Elle consomme de fou, ouais. Toutes les flèches y sont passées. Enfin bon, je dis pas, on a des compos, après on est bien, mais. T'as ramassé d'ailleurs les flèches. Bravo. Bravo, merci, merci beaucoup. Le reste rapide, c'est la vie, hein. J'ai pu te relever deux fois. Ouais, c'est obligatoire. C'est obligatoire. En fait, c'est juste nuit. La mutation la meilleure. Sans ça, on n'aurait pas réussi. Il y a plein de petits éléments qui font qu'on a réussi. C'est un peu de la chance. Enfin, on pas de la chance, mais la préparation. Quoi. Monster Hunter. Ah, en parlant de Monster Hunter, il y a Rise qui est sur le Game Pass. Qui vient d'arriver sur le Game Pass. Monster Hunter Rise. C'est le dernier, si je dis pas de conneries. Le dernier, oui. Donc voilà, ah non, je trouve ça intéressant. Voilà, on va à l'opposé, je crois. Ah bah tiens, il en parle, Damon. Je vais sur Switch, mais les FPS. Hein. Ouais. J'avais hésité. Mais il y a de la science. Oh, bah on a raté de la science qui était juste à côté. Oui, c'est possible. Bon, lui, non. Bah, c'est vrai qu'on les voit mieux la nuit. Hein. Je crois que la dernière fois qu'on était là, il faisait nuit aussi et qu'on n'y voyait pas grand chose. Après, la science, on les voit bien de nuit. Parfois, de jour. C'est ça. Et puis, bon, il y a plein de loupiottes, par tu là, sais. Là. Avec tous les labos. Ok. Donc, je sais pas, enfin, on a quand même raté malgré tout. Ouh, je vois rien du tout. C'est par là, non? En tout cas, là, c'est bon. Ah, c'est par où, zut?
Ah bah on est... Rappelle-toi, on est descendu. Du coup, faut trouver un moyen de remonter soit avec les labos, soit avec les Ah bombes. là là, par là. D'accord, Ouais. oui. Par là. Je vais enlever mon shield parce que je vois R. Là, j'irai par là-bas. Ouais, par là, c'est bon, bien. J'ai retrouvé, je pense. Ça va servir de. Hauteur qui est ici. Ah bah c'est bon, c'est par là. Là où je l'ai créé le truc. Au début, je l'avais fait en bas et tout. Voilà. Le pire, c'était d'amener. Le problème, c'est d'amener les tiges à chaque fois. Tu tapes des allers-retours, faut pas tomber. Faut les jeter pour aller aux arbres suivants parce que ça prend pas la tyrolienne. Enfin, il y a plein de. Tyrolienne! Bon bah on rentre. Eh, on est trop fort. On est trop fort, franchement, je suis fière de nous. Le triple coup de hache, je crois que je l'ai enlevé 2 barres. Tu sais, mais j'ai pas pu le mettre tant Oh, que ça bien parce qu'il joué! fallait pas mal bloquer. À la Ouais! fin, c'était plus triple quadruple plus coup, c'était 5. Je me suis fait avoir. J'ai fait 2 blocages parfaits, deux Miniature 1. blocages normaux, et le cinquième, bah mon bouclier avait plus Je d'énergie, crois donc. que oui, Rise et crossplay et Plus de dodge, j'ai perdu la cross-platform, moitié ouais. de ma vie. Je fais, Je ah ok. crois. Pas sûr, mais je crois. Mais De ouais. quoi? Non, je répondais aussi au chat. Mais c'était. Moi, c'est combo. Mine de rien, avec le shield sans shield, je pense que. J'aurais pas pu, hein. En fait, t'as bien fait de me le laisser en me disant, tiens, garde-le, ça pourra t'aider. Parce que ouais, en fait, ça bloque vraiment beaucoup, quoi. Genre, même quand tu en fais pas un parfait. C'est clair. Bon, plus flèche épicée par contre. Ouais, bah, on les a usés pour la bonne cause. Ouais. Ok. Bonjour. Voilà. T'avais fait l'arbalète en corbeau au fait? Non. Moi, j'avais pas fait Faut que l'arbalète. tu la fasses. Bout d'un moment, je vais plus J'adore, à rattraper. tout ce qui concerne l'araignée, c'est démoniaque. Tiens, regarde, je te drop les trucs. Ah bah de toute façon, faudra en inspecter 2 des 3, mais ouais, ça me fait marrer. Ah oui. Truc d'araignée démoniaque, croc d'araignée, venin démoniaque. Reine araignée, fragments. Ah, c'est des fragments 3, hein. Donc en soi, ça va peut-être être des compos, ouais. À utiliser. Bah, je vais analyser. La nuit là? La nuit? Ouais. Bah, je sais pas, il est quelle heure? Parce que je me suis dit qu'il était trop Non, tard pour qu'on vas-y, dorme. tu peux y aller, il est très tard. Ah non, il est minuit. Ouais. Ok. Il fera jour dans Très 4 tôt heures, pour ça se fait traiter. quoi? Un quart, 10 minutes de jeu, même pas. Si t'as moyen de me trouver une petite bouffe, parce que j'ai littéralement un PV. Hop, je me mets en Ouais, bah je voulais bandage. réparer un peu la base, mais Ah ouais, oui, ok. je répare. De toute façon, le temps que tu ailles, vas-y, je En répare un rentrant, peu. je vais trouver de la bouffe au pire. Mais j'avais mis où mon arme, mon outil? Ouais. Hop là, voilà, je trouve des petits pucerons en y allant. Bah, c'était un événement sympa, mais c'est vrai que les combats de boss sont cool. De toute façon, ils sont assez rares. Et du coup, bah, ça te, c'est un peu toujours dans une arène et tout ça, c'est, ça te coupe un peu du reste du monde. Et c'est pas mal foutu. Oh, ma Tu perso parles a dit de putain, je suis choquée. quoi? Du scarabée? Du cloporte? Non, je sais plus. Tu parles de combat de boss. J'avoue. Ah, Et tous les c'est pas trucs totalement affectés faux. par des champignons. Ouais. De quoi tu parles? Je comprends pas. Maintenant des moustiques. Un Ça gourdin. augmente. On peut faire un gourdin de la mer aux démons. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'armes contendantes qui se tiennent et tout. Il nous en faudra pour les Masque. masques de la mer des Reine araignée démons. empaillée, il nous la faut. Ah Ouais, tellement. ouais, mais elle doit être immense. Ok. Moi j'avais que deux trucs à analyser dans ce que tu m'as donné. Ouais, voyez, avec 2 sur 3. Je sais pas pourquoi le venin on pouvait pas. Le venin, on peut pas. Parce que je suis pas.
Inconsommable, je crois, du coup, tu peux pas, je sais pas trop. Science. Bon, un peu trop déco. Mais j'ai désactivé. Bon, j'ai réparé. Tout, voilà. Ah non. Trouver les informations du crossplay, elle est chiante. Crossplay, mais pas pour tout le monde. Ah, ça doit être crossplay que entre la Switch et le PC, peut-être. Grision, il me semblait que ça l'était, mais j'ai l'impression qu'ils avaient passé leur com dessus, mais je suis plus sûr maintenant. Ok, j'ai deux trucs à bouffer, tac. Tac. Faut que tu... Attends, je vais te le faire. J'ai l'arbalète corbeau. Alors, le ah, les systèmes de la même famille. Ah, peut-être pas. Ça veut dire crossplay PC, il faut Xbox. Un venin derrière en la reine. Pour de la reine, il en faut deux. C'est la même famille. Faudrait, pour le refaire, faudrait la tuer une fois. Et peut-être qu'on pourra en faire deux. Mais bon. Peut-être, oui. Mais ça veut dire. Ouais, je sais pas. Bah ouais, je m'en doutais. Limite, ça serait pas mal pour tuer les... Vu qu'on est capable de la tuer, même si c'est pas facile. Nous sommes capables. Oh, d'accord. Et c'est une armure qui empoisonne. Même son armure, elle doit valoir le coup. Ah bah, je pense, hein. La mère des démons. On peut la faire, en tout cas. Gourda, un pointe conçu pour la, pour la violence. Confectionnée à partir de parties diverses d'une reine araignée et d'autres ressources. Dégâts très élevés, étourdissement presque à fond. Vitesse très très lent. Abri pour insectes de compagnie. On a débloqué. Mais non, mais j'en peux plus, hein. Ça va falloir. Je veux un insecte de compagnie. Tu te spoil ou pas? Oh, c'est chiant. Après, après, ils donnent pas l'info. Si c'est pour les avoir à la fin du jeu aussi, ces infos. Moi, je en le sens fait, bien c'est comme un peu ça. Dommage, ouais. C'est-à-dire que, ok, à la fin, tu débloques un pet au moment où tu arrêtes littéralement de jouer au jeu. Où tu alors, je vais dire vraiment le début de la phrase et dès que tu as le moindre indice, repérez l'insecte que vous désirez, de préférence à proximité de votre base. Ça, on est bon. What? Posez la bouillie correspondante au sol. Ok. Je n'en. De la bouillie? Oui, les a, oui. Je vois. Les lisiers alors, j'avais raison. Non, je crois que c'est autre chose. Ah. C'est un truc qu'on a, en fait, qu'il faut qu'on débloque. Mais moi, je l'ai pas débloqué parce que je savais pas à quoi ça servait. Mais d'accord. Il faut qu'on l'achète. Ouais, j'ai pas lu plus, mais bon, à mon avis, okay. C'est pas très compliqué. Bon. Est-ce que tu veux que je mette dans un coffre particulier cette compo ou pas? Parce que c'est des compos non. Un peu. Moi, je mets ça avec non. Les trucs d'insectes, quoi, on s'en fout. Ouais. Ça marche. Une araignée, c'est tout. C'est tout, hein. Faut que ça se la pète, là. Commence pas à lui donner plus d'intérêt, là. Est-ce que je pose mon. Du coup, bah, je vais débloquer la bouillie machin alors, j'arrive. D'accord. Et peut-être. Ouais. Ah merde, les araignées sont de sortie. On va les éviter, hein. Faut que je prenne une torche, moi, hein. Ce serait pas mal. Ce serait pas idiot. T'aurais peut-être pour prendre le truc des coffres aussi, en vrai. On a déjà pris ça, non? Non, non. On l'a jamais pris, justement. C'est quoi le truc des coffres? Pour les textes ou les icônes sur mais les coffres. Pas, ils... Alors, ils appellent ça plutôt... Alors, attends, on a 8000. Alors, on a des collections de panneaux, sauf qu'en fait, on dirait plus des sortes de trucs décoratifs, quoi, en fait. On voit vraiment des dessins. Ok. Donc, je ne sais pas. Non, je pense que c'est un truc qu'on peut déjà faire, mais on sait pas trop comment. Alors, bouillie machin, j'aurais raté... Des leurres, est-ce que c'est ça? Ah non, non, c'est pas les leurres, c'est... Émetteur de bouillettes.
À part fabriqués à partir de morceaux d'insectes, sont parfaits pour attirer toutes sortes de créatures. Est-ce que c'est ça, des bouillettes? Ah, bien vu. Bah, je pense, ouais. Bon, écoute, je prends. Attends. On il nous reste 5500. J'ai pris. Là, tu as l'air d'avoir quelque chose de bien aussi. Ouais, mais je me dis, c'est bien d'économiser si on débloque un nouveau truc, parce que là, bon, on a des appâts, on a des recettes de trucs à se préparer, on a des recettes de trucs pour faire la base, incurvée ou avec des toits en plumes. Donc tout ça, voilà, je peux prendre de quoi faire un leurre avec des flèches à pas et des pièges à pas, éventuellement. Mais ça demande une compo que je ne connais pas. Et sinon, il y a l'éclabousseur, la bombe. Et les palmes et les nageoires. Enfin, les palmes et tout. Mais finalement, c'est des trucs où c'est pas... Là, tout de suite, j'en vois pas l'utilité. Donc je me dis, bah, autant garder nos 5000 pour si on débloque un nouveau truc de ouf, on peut les avoir tout de suite, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Ok. Des bro. Il y a 2 R, pourriture. Pourrir, il y a 2 R, donc pourriture. Non, je créerai avec un seul, mais je pense que je suis un peu à chier. Je vais te regarder. Non, c'est avec 2 R, comme pourrir. Un merci en terre. Merci, merci. Ok. Moi j'avais un bug, je sais pas. Dans ma tête, ça faisait bizarre en fait, avec 2 R. Juste en fait, quand tu vas dans le coffre, en haut à droite, il y a écrit coffre de rangement. Oh, voilà, tu veux tout seul. Voilà. Mais ouais, je voyais Dilo, elle avait tout des trucs comme ça. Ouais, j'avais déjà vu, mais je pensais que... J'avais déjà vu dans un stream passé de Dilo, mais... Et pour ma... Je sais pas, c'était complètement autre chose. Oh non. Voilà. Alors. Bah, faut que je mange encore. Faut que je m'attende encore un peu. Les trucs pourriture, machin, bouillie, je ne sais quoi. Ah bah on peut faire de la colle en fait. Bâtiment conçu pour transformer des morceaux d'insectes en colle. On peut la faire maintenant. Oui mais oui, il y avait un truc, il fallait qu'on l'achète. Bah à mon avis tu viens de l'acheter je pense. Non je pense que c'était autre chose, c'est un truc pour non, pas. Je... Ah ouais, bah, elle est même pas nouvelle. Pas. Il y a même pas de... Enfin, je sais pas. Ah ok. Peut-être. En tout cas on peut la faire maintenant si tu veux. Je peux la poser quelque part là. Ouais vas-y. C'est ça qu'il nous la faut en fait. Même pas de... Ah, alors, c'est comme un tonal. Où est-ce que je peux le foutre, le tonal? C'est chiant si je mets ça là. Je peux peut-être déplacer. Voilà, je le pose là. Ça me semble bien. Colle de réparation. Menthe. Morceau d'araignée, morceau de fourmillon, bombardier, en fait on choisit, bout d'ermite, ah mais les bouts d'ermite je sais pas si ça sert à grand chose, donc on va faire au bout de coccinelle. Je vais prendre quelques bouts de bombardier parce qu'on en a 55 donc c'est pas mal. Ah mais je sais que je trierai plus tard. Punaise. Oh, 10, oh vache. Éclat de menthe, ouais mais éclat de menthe ça nous en demande 10, c'est énorme. Elle est vraiment... Est-ce qu'elle demande la machine? C'est énorme. Bon, j'en fais que 4 cols pour le moment, parce que quand tu verras ce qu'elle demande comme ressource. Ouais.
Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, mince, c'est pas ça que je veux en plus de la bougie, moi, déjà. Ah oui, je voulais qu'on déplace vite fait le bâtiment. En fait, la bouffe. Ouais. On peut pas mettre ça un peu au centre, au centre, ouais. Franchement, ça gêne pas. Je vais mettre ça bien. En plus, ça éclairera. En fait, ce que je voulais, c'était que l'établi, on a laissé tout ce qu'il y a dans les coffres. Ah oui, parce que certains coffres étaient déjà trop loin. Ouais. D'accord. Je sentais que fallait que je me... Il y a certains trucs, fallait que je me recule. C'est un peu chiant. Alors, broyeur. Décompose des trucs pour en faire d'autres trucs. Ah oui, c'est vrai. C'est super. Attends, peut-être qu'avec le broyeur, je pourrais faire de la bouillie. Ouais, bouillie de viande pourrie. Alors, bah là, on peut faire des bouillies, là. Bah, on en a d'ailleurs. Ok. Et c'est comment qu'on fait un... Merde, je lâche mes trucs. Comment qu'on fait un... Ok. On n'a pas. Qu'est-ce que c'est qui fait ce bruit? Ah, on peut... Ah non, mais la quadrénarine, on a assez pour la masse, what the... Ouais, ouais, je t'ai dit, on peut faire la masse. Bah, ok. Bah, vas-y, hein, c'est... Je sais pas si on l'a fait. Écoute, c'est comme tu veux. Si t'as envie de la tester ou pas, de toute façon... Ouais, on pourra pas trop la réparer, j'imagine. Émetteur de bouillettes, ok. Un émetteur de bouillettes. Alors, faut peut-être qu'on... Ah oui, faut qu'on pose un émetteur de bouillettes. Et il faut qu'on mette la bouillie dedans, en fait, Envy, je pense. D'accord. Je pense. Bon, ça demande pas énormément de compo, au pire, je le recyclerai. Je vais le faire, mais Oh, mais la taille du truc. Oh merde. Voilà. Attends, Sinon, on fout ça dehors, hein. Je le fabrique là, je le fous dehors. Je comprends même pas. En fait, en vrai, la description, c'est ces appâts puants permettent de machin. Ok. Sauf que ça nous permet de fabriquer des appâts puants ou c'est ça l'appât puant? Je comprends pas. Ah ouais, en fait, c'est... Oh, c'est... mais j'avoue, c'est plein d'insectes mélangés. Regarde. Ah oui. Oh, c'est dégueulasse. Bah en fait faudrait que j'agrandisse un parce que c'est juste... dans les machines. C'est chiant, c'est dégueulasse. Ah oui, non mais faut qu'on la dégage hein. Non mais sinon on la met au-dessus ou dehors en vrai hein. Non bah au-dessus on est limité en vrai. Non mais attends, si ça attire des insectes on va pas la mettre chez nous. En vrai. Je pense que ça on le met dehors. Et on met une bouillie dedans en fonction de l'insecte qu'on veut attirer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas ça? Moi c'est ça que je comprends. Attends, je te lis la description. Attends, ouais, non, mais description, en tout cas, c'est parce que j'ai eu sur le net. Ces appâts puants, fabriqués à partir de morceaux, sont parfaits pour attirer toutes sortes de créatures. Chaque colonie est attirée par une odeur. Alors, et ouais, c'est dans c'est... la catégorie. Et tu fabriques des appâts avec ça, je suis sûr. Tu penses? Ouais, je pense. Je comprends rien. Parce que les bouillies, on les fabrique dans le truc qui broie. J'aime bien comprendre. Après, je te dis comment je vois le truc. Hein. Ouais, je ouais, ouais. Je suis sûr à 100%, mais. Ce serait dans quoi? Dans de la bouffe hein. Nourriture humaine. Oh, on peut faire de la nourriture humaine, incroyable. On va essayer d'avoir un pet, les amis. Oh, on peut faire plein de casques pour notre famille. Regardez, il serait trop mignon. Il peut avoir des lunettes d'astuco. Oh, il serait trop mignon. L'heure. Pour distraire les créateurs, les prédateurs imposants, donc c'est pas ça. Ah, le lisier. Ah, voilà. Bouillie de viande pourrie. Pâte épaisse de viande mélangée. Ah ouais, non, t'as raison, en fait. C'est pas ça. Bon, bah, ouais. C'est ça qui nous permettra de fabriquer des appâts, mais c'est, genre, 100 fois trop grand. À l'étage. Est-ce qu'on pourrait pas la foutre à l'étage? Bah non, même à l'étage, on commence à être un peu limité. Même si on a des trucs qui nous servent pas à grand-chose. D'ailleurs, je vais peut-être commencer à planter des champis. Pour être bien. Ah, il a grandi ici, Envy. Quel incroyable BG. On a des compos d'avance, ça devrait aller en vrai. Je pense qu'on n'aura même pas besoin tu d'en reformer. Il faut, j'y vais. Ah, si on de l'herbe, un peu de tige. Ouais. Eh ben, je vais déplacer un truc à herbe alors.
Vous parlez de quel jeu, les petits loups? J'ai pas suivi. Bon, c'est un jeu que je connais pas, j'imagine, mais... Je demande, vous êtes toujours sur Monster Hunter? Ou c'est d'autres d'autres trucs? Genshin, ah oui, voilà. Il m'est sorti par la bite, celui-là. Limite! Merci pour le follow. C'est très doux. Salut, salut à toi, bonsoir et encore merci. Bon bah je vais prendre des fibres en même temps, tiens. Parce qu'on n'en prend plus trop. Vous entendez balles, sont du jeu, non? Je l'ai baissé tout à l'heure. Je vais mettre plus fort. On sera plus à fond dedans. Ça va nous péter un peu les oreilles, ce sera bien. Oh non. Ok. Allez. Construis ton premier bâtiment en briques de champignons. Oh, on a eu un succès! On a fait notre porcent. C'est ça notre objectif à chaque fois. Avancer d'1%. Ok. Ah mais non, mais je peux le garder. Je suis stupide. Désolée, je suis stupide. Ah, celle-là, je peux pas la prendre, ça veut pas, c'est pas grave. On en a assez. Let's go. F. Ok, je t'amène une palette. T'as droit de le faire. On est bon. On est bon. Je veux toute notre base en champignons maintenant. Ouais. On va en faire pousser du coup, on aura du... Ah bah non. Si on en fait pousser, on n'a pas des briques. On peut pas en faire, si, avec des champignons tout petits. Je sais pas si à partir de là on peut. Ouais, je suis pas sûr. C'est possible, hein. Je sais pas. Et sinon, c'est simplement les morceaux de champignons à casser. Ah, je crois que c'est... Attends, non, non, si, si, c'est bon. En fait, il faut du lisier de champignons. Et 4 lisiers de champignons égale 4 briques. Oh, elle est trop mignonne, la porte. T'as vu pourquoi je fais oh, ça? Oh, elle est trop poupette. Oh, j'avoue, comment ça dé... Oh mais le style, le swag, mais t'as raison, on va tout faire en champi, quoi. Hein. Oh, on se croirait dans une maison de Hobbit. Mais grave, c'est beaucoup trop... Trop mignon. Bon bah je fais la machine alors. Oui. On est beaucoup trop bien là. Alors, pile de bouillettes. Insecte enragé? Pas trop compris là. Bon. Regarde, du lisier de champignon, on peut en faire x10 avec un morceau d'amanite. Ah oui! Non, je vais remettre de côté. Je sais pas si c'est. Voilà, c'est à fond. Ah voilà. C'est vraiment un truc, mais j'ai l'impression que c'est un truc où tu mets tes appâts dedans quand même. C'est pas ce que j'ai lu encore une fois, mais bon. Ouais, mais je comprends pas. En fait, cette histoire d'attirer les bestioles entre le les appâts le pour. Je l'ai mis nulle part. Celui que j'avais sur moi, il s'est posé auto. Ah bah, je sais pas, t'es un peu le maître des coffres. Ah, j'essaie, mais si t'en as mis quelque part, bah du coup le mien, celui que j'ai, il se pose, tu vois.
Attends, les camps. Oh non, mais hey, j'en ai marre. E, pas R. Bon, moi, j'en... Ah, c'est dans l'autre, ils sont là, je crois. Ouais. Bah voilà, bah c'est pas moi. Du coup, on en plante des champignons ou pas? Là-haut. Il t'en reste des pitis? Ouais, il m'en... on en a plein dans un des coffres. Il y a un coffre avec les champignons. Ok, bah je vais en planter. Hop. Il me faut de la pourriture. On embellit trop notre base, ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est très beau. Je peux pas en mettre plus? Ok. Ouais, ça met une journée. Et quand même. Il faut bien mettre une fois. En fait. Gueule du truc. Faut bien mettre. Ouais, t'as vu. Ah, c'est. Mais regarde, je comprends. Franchement, bah, regarde, interagis avec. J'ai l'impression que c'est ça qui attire les bêtes quand même. Enfin, au pire, on la met dehors et ici, on fait nos champs. C'est trop pipou. Après, j'ai vu déposer votre truc et ça se trouve, il voulait dire là-dedans. Votre bouillie. Ouais. On peut en faire de la bouillie là? Je vais au fourneau. Eh ben, je sais pas laquelle. Ah oui, la colle, t'en avais fait. Ah, les colles, en fait, la colle, t'as tout plein de compos. Tu peux choisir la J'ai choisi des trucs différents à chaque fois. Ah ouais, c'est vrai 5, que c'est de la 10. Saloperie. Hein. Oh la vache. C'est beaucoup, hein. Et le chewing-gum dans tout ça. Ouais, et la sève dans tout ça, merde. À la base, la colle, c'est pas... les premières colles, c'est pas fait avec de la sève ou du miel. On va faire un deuxième four du coup. Mais je veux m'enseigner sur cette histoire d'appât. Moi, JPP1. Hein. Lisier, bouillie de viande pourrie 2. Capitalé, ouais. Ok. Ils ont parlé de lisier dans ton truc? Ouais, j'en ai du lisier. Oh, moi aussi, non, mais c'est pour savoir si dans ce que t'avais commencé à regarder. Ah non, je sais pas. Non, ils ont parlé de bouillie. J'ai rendu hein. Le début de la phrase, j'ai pas voulu. Ouais, t'es bouilli. Je me suis limité à un micromum de spoil. Ouais. Est-ce que ce serait pas avec les smoothies? Non, ça fait pas des bouillies, ça fait des cocktails, des machins. Éternuement shinobi. D'accord. Ah, on a objet du boss. Boisson, repas, santé. Ça devrait être là-dedans en vrai, non? Chercher des ressources. J'écris bouillie. Oh mais... Bah moi j'ai que bouillie de viande pourrie. C'est le seul truc qui s'appelle bouillie quand je cherche ça. Et si je mets appât... Bah non, je pense pas. Ça sert à rien. Hop. Mais débile. Oui, je pense qu'il parle de ses pégus de sa partie dans Rimworld en disant mais débile. Ah ouais. Non, bah sinon je vais voir ce qu'on. Putain. Je sais pas. Mais pourquoi le jeu ne dit rien? Ça m'énerve. Donc, un mur à champignons, c'est 4 briques. Il va nous falloir. Oh la vache.
En plus, je lis les textes, hein. Donc, si ça a été dit dans un truc écrit, bah, j'aurais dû le savoir. Merde. Je pense que les pets, ça a été rajouté après, et du coup, bah, ils les ont pas trop introduits dans l'histoire. Ouais, on sait pas trop, mais c'est bien probable. Bon, je sais que c'est beaucoup de choses à faire, mais il faudra prendre au réflexe de ramener des gravillons et de l'argile un peu. Ok. Maintenant. Ah oh, oui, on a plus de sève là. Vache. On a une tourelle en gravillon qu'on pourra mettre. Et on a une toile en pollen aussi. On a plusieurs. Toile trampoline, panier de basket, abri pour animal de compagnie. Petite cabane singulière qui permet d'accueillir des insectes de compagnie. Alex, je coupe un arbre, tu sais, les arbres qui donnent des tiges là. Ouais. Ah, tu veux ouvrir la porte? Si je mettais dans le coin. Je coupe un arbre, j'ai pu remplir ça et en prendre 5. What the fuck? Ah merde, je peux plus. On en a trop? Pile de bouillettes. Mais comment on fait des bouillettes? Dans les repas? Attends. Non, je prends ça. Bon, je vais retourner là-bas, je sais pas, la vie. Je comprends pas où, là. Ok, j'arrive, je vais retourner là-bas au cas où j'ai raté un truc, parce que ça m'énerve. Je te dis absolument pas ce que tu dois mettre dans cette putain de machine, quoi. Il y a peut-être une A, il y a peut-être des recettes. C'est peut-être ça qu'il nous faut acheter. T'as vu que tu peux bloquer sur un objet, j'y vais, ton inventaire. Je sais pas si tu vois. Alors redis-moi. Les objets dans ton inventaire, tu peux les bloquer, j'ai l'impression. À un slot, je sais pas comment dire ça. J'ai vu ça en allant voir dans les commandes. Ouais, peut-être. Clavier. J'arrive. Je sais pas comment faire. Attribuer une poche, c'est R. Ah, d'accord. Donc si j'appuie sur 1. Ça ira toujours à cet endroit-là, quoi. Bah, je sais pas, je pense. R. Ah, ça répare. Oui, non, c'est pas là. Ah, il fallait dans la barre d'action. Au fait. Ah oui, d'accord. Bon, je l'ai fait pour voir. Mais tout le temps, où c'est quoi? Je l'ai fait sur tous les objets, j'ai fait R espace, R espace, R espace.
Hush 1. Ah oui, non, d'accord, c'est pour jamais que ça change. Hush 2, Hush 3. Ouais, mais... Ah d'accord. En fait non, en fait faut pas que t'aies d'armes dans cette dans la poche, faut que t'aies rien dessus. Et là ta tribu. À cet endroit là, un outil. D'accord. Mais un truc que je comprends pas hein. On a une machine mais on a pas les recettes, je comprends pas du tout. Oh mais c'est trop pourri en fait. Non c'est nul. Enfin c'est pas bien fait. Hein. Je suis mort. Merde. Comment? Plus de nourriture. Ah. Ok bon, du coup, je vais remettre mon vine comme je mets bien. Bah moi je me spot sur émetteur de bouillettes parce que je comprends pas. Je mets juste ça, comprendra Grundid. Guide de la bouillette. Bon, je veux pas une vidéo, je veux juste un début de truc. Ok, donc les amanites, c'est clairement des champignons ultra intéressants à farmer. J'ai lancé la création de 5, puisque c'est un peu long, de 5 à pas pour la reine araignée. Salut à vous mes petites fourmis, j'espère que vous... Salut à vous mes petites fourmis. Ouais, c'est pour... J'ai peur que ce soit pour avoir des... En fait, un truc pour pouvoir attirer des bestioles oui. Néfastes, en fait. Ouais, je crois que ça n'a rien à voir, non? Bah ouais, mais pour attirer des insectes, tu sais, il n'y en a rien d'autre en vrai. On a des leurres, mais c'est pas les bons. Je crois que ces boulets passent le balai dans la cour. Bah si la cour elle est sale, hein. Bon bah je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas comment avoir des pets. On débloque plein de trucs pour nos pets, mais on n'a aucun moyen d'avoir des pets, ça me dégoûte. Si je mets le... Faudrait que t'ailles revoir le machin, ça se trouve, les recherches. Ah j'y suis allé là, j'en viens. Y'a rien du tout. Y'a des leurres, bah, mais c'est des leurres avec des flèches. Parce que du coup j'avais vu que les premières lignes... Regardez... Franchement ouais. Tant pis. Tant pis hein. Attends. Insecte de compagnie Grundid. Faire un broyeur, ouais. Oui, comme ça. Bon, ça change rien en fait avec les accents ou sans accent. Donc c'est bien les lisiers. Ok, du coup, il n'y a rien qui change. Chaque type de bouillie correspond
Repérer un insecte, vous êtes sûr. Il faut s'approcher de lui et faut le poser en fait. D'accord. Comment on est censé En fait, deviner? c'était ça, mais moi je me mettais hyper loin en fait. Et puis surtout, bah, ok. Non, mais moi je l'avais lu que quand je l'avais débloqué le truc, il y avait écrit le charançon raffole des champignons, un truc comme ça. Ah ouais, mais voilà. Si tu loupes l'info. Bah, c'est vrai, et surtout, j'arrive plus à me souvenir où je l'ai lu. On fait Attends. dodo, il fait nuit. Ouais, vas-y. Je veux mon charançon, moi. Bon, je crois que c'est un puceron. Oh, peut-être un charançon. Bah non, ils disent de l'insecte que vous voulez. Donc les neutres, ça peut le faire. C'est plus. Je sais plus comment j'avais fait vu ça, mais comment j'avais fait ça? Attends, bah y a des lisiers, franchement, je tente direct. C'est peut-être dans données. Ils Ou c'est sont... peut-être sur le charançon directement. Ah, alors oui, on va regarder, t'as raison. Les données. Oh, inspecter. Non. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être d'autres boss alors. Ah, solo leveling, j'avais lu le premier opus. C'est pas fou. C'est très cher en plus les mangas. Alors, je peux continuer. Où les bougies? Mais où j'avais trouvé ça? Ouais, où t'as eu cette putain d'info? Ah, les compos qu'on trouve dans l'eau. Ah ouais, moi j'aime pas lire comme ça, mais c'est que ça m'a pas plus... plus que ça. Mais je comprends, ouais, Damon. Ils sont où les bougies? Elles étaient quelque part dans un... ici? Et puis elles sont plus là? Écrit lisier sur un coffre. Ok, je recherche. J'ai lu pourtant tous les coffres. Ah, il était là. Au pire, on enlève la grosse machine, on recycle et on met quelque chose d'autre dedans, hein, dans cette pièce, hein. On peut, hein. Oh, pour le moment, il n'y a rien à mettre, on peut la laisser. Hein. Ouais. Le recyclage n'est pas intéressant. Faire une partie des compos. J'ai mis les invocations de boss dans le coffre pourriture. Ok. Ah, mais j'ai faim, moi. J'ai soif. Ouais, bah, je sais plus où j'ai vu ça. Ça me saoule. Peut-être quand t'as déverrouillé un succès. Ouais, je sais plus. Mais je l'avais lu. J'ai... Je sais plus comment j'ai vu ça. Ok. C'est parti. Peut-être directement dans le voyeur. Oh non, les fourmis vont chercher. J'ai l'air un peu occupé. Je vais essayer avec d'autres insectes. Faut s'approcher, mais de préférence pas trop proche non plus.
Et après? Là, il le mange, là. Ah, j'ai un insecte de compagnie. J'en fais un rançon. Inventaire? Quand t'as passé ta souris dessus, j'ai vu inventaire? Attends, attends, j'ai pas le temps de voir. Je regardais ton stream, là. Ah ouais, il a un petit inventaire. Enfin, qu'il meurt, quoi, les trucs, après. Oh, il est dans mes bras. Ah, je vais faire une doudouce. Ça n'a aucun sens. Viens là, insecte de compagnie. Je vais manger. Viens là, tu vas te faire soulever par les... Mais il me tue pas. Hey, connard. Il va se faire soulever par les araignées et par les fourmis. Les fourmis, elles bouffent les charançons. Viens là. Tiens. Bon, les bûcherons, c'est lisier végétal. Je vais voir. Mûcheron, c'est bou... Viande pourrie. Bon, je vais m'éloigner, je vais voir si me suis. Ah, lol. Comment on a une... Pucheron, réduction du coût d'endurance en sprintant. Charançon, réduction des diminutions de la jauge de soif. Moucheron, augmentation de la vitesse de déplacement avec une fleur de pissenlit. S'occuper de son insecte. Bon. Comment on s'en occupe? Oh, regardez, je t'ai pas de la tête. Y'a que Pucheron et Charançon, on est d'accord. Il me chie ou pas? Il a l'air de me suivre que dalle par contre, hein. Apparemment, faut qu'il soit heureux. Ouais, il est heureux là, mais il est lent. Ouais, au fond, un moucheron, ça, peut... ça nous suivra mieux. Un moucheron? Un moucheron? Ouais, moi je pense qu'il y a toute une histoire entre les moucherons et moi. Oui, je pense aussi. Je pense qu'on devrait être. Allez, viens. On part à l'aventure. Tu m'expliques une flèche. Oh, ça sera pas bien grave, ouais, Charançon, on a d'autres. Hein. Par contre, il est lent. What? Mais regardez ça. Est-ce que t'es méchante? Ouais, on en bouffe depuis le début de l'aventure, hein. On l'admet. Oh, regardez! Du coup, il est là! Il est tout bugué, mais il est là. Mais il est bugué. Allez, viens, Charançon. Bon, on va essayer de te construire une niche. Mais tu pourras pas monter. Tu vas te tuer dans les pics. Couillon comme tu es. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, il a pas l'air vexé. Il y a des micro-papates. Oui, c'est vrai. Pour ça, je vais faire une niche. Alors, mais s'il me suit, il va se faire mal. Reste là. C'est tout bugué quand je le caresse dès qu'il est à moitié en pente. Là, je vais te donner ça. Voilà, moi. Bon, je vais essayer de lui faire une petite niche en bas. Pas en bas, il pourrait se faire tuer. Bah, sans forcément en bas, ce sera pas en haut. Bah si, en haut. Bah non, il y a les pics, je sais même pas comment il peut monter. Ouais, il se fait tuer par les pics, mais non. Moi j'en suis sûr. Non, non. Sûr que non, là. Oh, elle est trop belle. Ok. Ah toi, tu es en train de refaire toute la base, toi? Bah, il est où? Non. Juste la moitié. Mettre ici. Ah, il est là. Il est là. Ouais, il arrive pas à monter. Il est là, bébou. Je vais mettre... Ah, ici, c'est pas trop dangereux, cette zone-là. J'ai peur de tout faire péter. Ah, j'avoue que ça pourra arriver. Insecte de compagnie détecté. Dépôt d'insectes de compagnie. Ami Charançon. Oh, je peux mettre une tenue. Renommée. Bon, on l'appelle comment? Oui, il s'appelle Charançon. Bah, c'est à vous de me dire. Vous allez devoir me suggérer des noms.
Parce que j'ai aucune idée de comment on nomme un chat rançon, je vous avoue. Parce que nous, on en a une idée, peut-être. Oui, bah le chat, il est plein d'imagination. Daryl. Daryl. Sa personnalité sympa, bonheur, joie. Caresser un jour, tant de câlins, 4. Ok. J'ai une idée, mais bon. Bah dis, je choisirai. Y'a pas un jeu de mots avec Charançon? Charlotte le Charançon? Non. Trapil. Trapil le Charançon? Il fait l'hélicoptère avec sa trompe. Charancoptère. Un trapilon. Oh là là, vous m'aidez pas beaucoup. Charampile. Non mais ça... Charampile. Ça veut pas... Trompette. Là que je veux bien de l'herbe si possible. S'il te plaît. Pas fan des monos. Non, je peux pas... Tu peux faire. Trompette, c'est bien. Pas l'appeler Trapil, le pauvre Trapil. Trapil direct. Trapil direct? Après, je pourrais nommer quand je veux. Hein. Oh. Voilà. Appelle-le quelqu'un qui est pas là et qui le verra à un moment donné. Qui fera. Eh! Tu sais que. Tu vois le mème de Leonardo DiCaprio qui se lève. Le doigt tendu. Allez. Eh! C'est moi ça! Voilà, Trapil, c'est moi qui s'appelle Trapil. Ok. Rappelle-toi, faut tout le temps ramener des champignons maintenant. Oui. Attends, je range. Faut de l'herbe, c'est ça que tu dis? Hein? Oui, faut des brins d'herbe, s'il te plaît. Attends, qu'est-ce que t'appelles des brins d'herbe? T'appelles vraiment la pour la structure, on est d'accord. Mmh. Ah oui. T'as tout qui se pète la gueule là, c'est normal? Comment ça? Derrière l'escalier, le... Par lequel? L'escalier. Mais arrête d'être stressé comme ça! Ah, y'a d'autres trucs qui se cassent la gueule là. C'est normal? Ouais. T'es en train de tout péter, Annie. Pourquoi tu me pètes tout? C'est comme ça alors. Mais t'en as un, y'a de l'herbe en plus, hein. Je vais bien aller chercher, mais. Mais t'en as, bro. Il n'y avait plus assez. T'es en train de faire un truc, toi. Moi, j'espère qu'ils vont pas attaquer par les fourmis. Hein. Mais de toute façon, elle arrive pas à monter, donc. Je peux pas le mettre en haut. Normalement on est bon non? J'en penserai à l'escalier. En vrai je me dis que... On lui fera un petit jardin. Si les raids continuent et qu'à un moment donné on a des trucs plus costauds n'empêche. Je sais pas comment on va faire. Il y aura des trucs plus costauds c'est sûr après bah... Donc les araignées elles arrivent pas trop à monter donc elles niquent tout en bas un peu effectivement mais les pièges ça va être pas mal aussi. En vrai, je pense que ça va. En vrai la première fois... Maintenant, je fais attention, mais... Le truc, c'est qu'à un moment donné, quand on était avec Adrien, on n'était pas à la base quand on s'est fait attaquer. Alors, les attaques semblent très rares, mais je sais pas comment... Bah, j'ai l'impression que c'est en fonction de quand on fait chier, quand on tue beaucoup d'une bestiole, quoi. Parce que après, les... Parce qu'il y a des factions, mais après, t'as pas tous les insectes qui ont une faction. Heureusement. Oui. Tout ce qui est en groupe, ouais.
demande si d'ailleurs les abeilles ne peuvent ne pas en avoir d'ailleurs des factions. Ça c'est possible. En tout cas, les termites, les fourmis, ouais. Et certaines araignées aussi, je crois, ou... Je sais plus. J'avais commencé à voir, mais j'ai pas regardé plus loin. Et champignons, tout ce que tu trouves en champi, si tu peux aller. Ah bah là, là où je suis, il y en a pour, hein. Enfin si, un peu. D'ailleurs, faut voir si là-haut ils ont poussé. Y'a de la manie que tu mouches. Bon, j'avoue, pile au moment où je t'ai dit, bah là, y'en a pas, en fait, y'en avait un collé à moi. Mais voilà. Ok. On fait ça. Et toi, t'es en train de refaire toute la base, en fait, non? Non. Tu refais toute la base en champi? Tu peux, tu peux. Mais tu peux, hein. Mais pas beaucoup. Il y en a eu que 3 là? Really? En fait, ouais, t'as pas besoin de ramener, en fait. Oh, mais tu te fous de ma gueule! En fait, je me rends compte avec tout ce que j'ai déconstruit. Je les voyais pas, moi je voyais que 26 dans le truc. Que prends ce que t'as et reviens, ça sera sûrement. De toute façon, de trop. Comment tu saoules? Je suis désolé. Non, mais voilà, c'est une petite leçon d'humilité. C'est putain de honteux! Ça dégoûte. Désolé. Ah, le relou, vous avez vu ça? Non, mais je rends compte. Je vais partir à l'aventure avec la pile, moi. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là. Jackson New, il fuck tap, tu vois. Et c'est ça, c'est le. Oh putain! Oh, le bordel! Je peux même pas. Ouais. Voilà. Faut pas... J'espère que t'en as pas ramené trop parce que c'est problématique. Bah j'arrive écoute. Plus à les stocker tellement on en a. Bah oui, hein. J'en ai ramené, effectivement, j'en ai ramené, bien sûr que j'en ai ramené. Ouais, mais fallait pas, ça t'aurait pas dû. Donc je rigole. Tiens, prends là ta feuille. Ça fait vachement mal! Trop pas. Ta vie, elle a même pas bougé, bro. Bien. J'ai une petite masse à tester là. Y'a des briques qui tombent. Voilà. En vrai, je vais juste refaire ce que j'ai fait. Mute rapide. Rapide. Oh, je l'entends. Je pense pas lui. T'entends quoi, Trapil? Ouais, j'entends Trapil, bah, il est coincé. Bah, ah c'est oui, bien mon petit Trapil, ça. Trapil. Il se coince. Ah, je peux l'appeler? Oh, il est bête. Appelez Trapil. Attends. Ah, tu veux plus jamais ouvrir là déjà? Ah, oui, il me suit quand je l'appelle. Non, enfin, mais non. Enfin, pas tout à fait. Ouais. Elle l'a. Utilisé. Ah ouais, je dépose insecte compagnie ici, comme ça il reste là. Il est bien. Alors fais gaffe, si tu tues des charançons, attention. Il s'appelle Trapil, tu le tues pas. Je tuerai Trapil en priorité, c'est noté. Trapil ça? Oui, c'est Trapil. Bon bah le problème c'est qu'il se balade un peu partout, n'importe comment. Là où il y a plein de charançons de base, du coup voilà. C'est lequel des deux là par exemple? C'est lui. Donc lui je peux le défoncer. Ouais désolé mais faut qu'on bouffe. Voilà. Il va faire quoi attraper? Mais il va faire des méchancetés. Il est trop mignon. Bonne nuit Grisou, des oubis. Bon. J'ai un charançon, il me sert à foie, mais enfin si, il a un inventaire mais il est tellement lent que ça me servira jamais, mais c'est pas grave.
Voilà, ça couille. On a peut-être pas assez de ressources pour commencer tes désirs d'extension là. Ouais, hein, une vie. Entends pas les rageux. Ah je rêve. En vrai les lits on devrait les mettre dans le renfoncement que t'as fait. Oui bah 2 secondes. Tu veux que je démonte la machine? Non. Ah bon. Non je parlais la pièce que t'as fait pour le truc qui nous servira pas. Ce truc ça je peux le déplacer en bas. Comme ça, si on en a besoin, bah, on pourra tirer des bestioles en bas. Et comme ça, on a une pièce. Je vais le faire. Je vais mettre ça en bas. Que franchement, ça ne sert à rien. De quoi? Le truc qui fait que ça provoque des raids. Hein? Le truc à pas là, qui ne nous servira pas. Ah non, mais ils vont le détruire. Je veux pas. Non, parce que je mets rien dedans, donc on s'en fout. Non mais laisse-le là où il était. Je le mets loin, tu vois. Non mais en fait en bas il s'attaque à toutes les structures lorsqu'on se fait attaquer. Oui mais je pensais le mettre éloigné parce que de toute façon ce truc en fait il sert à provoquer des raids. Oui d'accord, non mais je préfère que tu le laisses chez nous, il y a l'espace, il y a tout, enfin il dérange vraiment pas là où il est. Hein. Ouais mais je pensais, bah pour vu que t'as dû déplacer plein de trucs, je me disais bah ça pourrait être pratique d'avoir cette zone de stockage pendant que tu construis. You're going to be okay. That's ouais. Non mais tais-toi, oh là là, s'il te plaît. Yay. T'as pas de thune? Toi non plus, Léa. Mais sûr que si, moi j'en ai un. N'importe quoi. Tu connais pas mon autotune? Everything's okay. T'étais nul. J'ai entendu un peu de rage. Bon, bah moi je fous quoi en attendant, parce que là je... Hein, je dois arrêter la VOD là. Mais prépare, on va y aller là, dans pas longtemps. Où ça? Alors on a 2 choix. Le choix numéro 1, ou le choix numéro 2. Et c'est fatigant. Toujours c'est fatigant. On a 2 choix, c'est vrai. Bon. Je sais pas, en fait, soit on va retuer le boss. Ah bah non. Ah. Bon, pas voilà. Trop besoin en fait. Ah mais ok, j'ai compris, madame désagréable. Bah si t'as compris, ferme-la alors. C'est quoi l'autre fois? Bah j'avoue que j'en avais pas 2 en fait. Non mais, où on bute le boss? Oui. D'accord. Où on va essayer de buter des... Bah des scarabées, enfin un peu pour le prochain compo quoi. Parce que je me disais, moi, ça c'est plus ce genre de compo qui nous serait utile. Mais que ouais, les mais compos c'est, pour ça, que je voulais nous faire 2 masses parce que. Ils sont. Je me rappelle qu'ils étaient sensibles. Non, ce serait bien qu'il y en ait un qui tank. Pendant que l'autre utilise la masse parce que c'est une masse à 2 mains. Hein. Ah, moi je tablais plus sur un 11 spam et on le stun. Mais ouais. Ouais, mais. J'aimais bien cette idée. Bah quoi, franchement, ça peut le faire. Le fait que quand il y en a un qui peut un peu utiliser un shield, c'est quand même bien, non? Je sais pas. Non mais après, tu varies, tu peux changer d'arme et repasser en... tu vois? Venu en témoignage, des bisous! Ouais. Venu en témoignage, des bisous. Putain, faut que j'ai une déco quand je suis dans la grotte à araignée, c'est fantastique. Tiens. On a trop d'airblocks, c'est pas nécessaire finalement. Oui, j'ai tout. Comment ça, j'ai tout? J'ai de l'herbe. Tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dis? C'est un défi à stocker, mais on va pas le jeter. Il est où le trapile? Il est derrière la maison.
J'ai mis sa niche en bas de l'escalier en colimaçon de la maison. Et normalement, tu vois un petit symbole de masque à gaz. Dans la map. Non. Moi, je le vois, moi. En fait, je pense que c'est le symbole du charançon, en fait. Ouais, c'est juste ton petit symbole à lui. Très bizarre, mais ok. Ok, bon, je fais ça et je rentre à la maison. Ok. C'est la grosse araignée, ça. Il y a une luciole là. Ah, il nous en faut. Ouais. Bon. Oh punaise, elles envoient du truc, des substances dégueu. On a les deux fours, c'est un poil plus. Dommage. J'en ai eu deux. Par contre, les compos, elles sont en train de rouler. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Il est aussi rapide, ça. Ouais, c'est rapide. Il est devant la maison. Il tourne autour de notre maison, en fait. Donc fais gaffe, tu vois, Charançon, essaye de regarder son nom avant. Oh merde. Il prend les pièges alors ou pas? Non, il tourne autour. Ça va, mais il peut pas passer du coup. Je pense qu'il essaye de rentrer dans la maison, mais qu'il peut pas. C'est pour ça qu'il doit faire le tour. Ok, imagine. Tu peux enlever le premier piège de devant. Hein. De toute façon, personne n'en prend celui-là. Je vais voir, mais je sais même pas s'il sait monter les escaliers. Je vais juste le déplacer. Il serait pas doué comme ça à ce point-là. Bon, là, j'ai fait un petit passage. Il peut largement passer, on va voir. Tu viens par ici ? Tu viens, mon con ? Non. Et si je l'appelle ? Appelez rapide. Rien. Mais c'est bon, je l'ai appelé, je crois. Mais il fait quand même sa life. Bon, elle en a rien à foutre en fait. Je comprends rien. Les pets en fait, ils sont là, mais ils sont pas là. Il y a beaucoup de feuilles. Très bien. C'est beau. On va faire dodo. Oui, je mets juste les fleurs, les feuilles là. Et les herbes. I am sleepy. No joke. I am sleepy. No joke. Ouais, c'est vrai que les gens blaguent souvent là-dessus. Fatigué. Non. Vraiment, je déconne pas à ce niveau-là, quoi. Moi, je fais une blague, mais pas ces blagues-là. Tu viens te coucher ? Oui. NBI ! Couille. C'est quoi ça ? Ah ! Oui, elle est partie se coucher. Parce que tu mettais trop de temps avant de partir te coucher. Elle est trop jolie, Genshin.
Attends, est-ce que ça... Oh, c'est trop bien. Ça fait instantanément cuire. Du coup. Tu nous fais un château. Bon, bah, il faudrait que j'aille chercher des champignons, en vrai, non? Pour t'aider. Ah ouais? Bah, c'est dur à dire, là, mais on en a pas mal. Le problème, c'est... Voilà, je vais juste commencer cette partie. Je vais mettre le sol et puis... Je vais partir en expédition. Voilà. Fais 1h30 de VOD, de toute façon. Bisous à VOD, à plus tard.